Bon, on avait ramené les petits chats la dernière fois qu'on avait. Du coup, ça avance bien les petits chats en vrai. On a combien exactement de petits chats? On a dépassé la moitié. Donc voilà, on a encore un petit chemin à faire avec les chats blocs. Si tu l'as vu pour le direct de demain. Oui, j'ai vu. Bah, c'est pas un direct, c'est juste un trailer. Donc c'est pas... Je sais pas si je le regarderai en live ou pas, parce que c'est le live à 15h, mais... On verra. On verra, on verra. J'avoue que je sais pas trop. D'ailleurs, je voulais regarder si je peux... Si je peux maintenant aller dans le hall des défis. Déjà, on va voir si j'ai besoin de me heal. Bon, dans le doute. Ah, faut que je change de scène, c'est vrai. Ok, faut que j'en prenne le réflexe. De changer de scène. Je coupe un peu plus tôt par fatigue. Oui, ah oui, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. C'est chaud. Est-ce que je peux faire des trucs dans le hall des défis? Hall des défis, dernière nouvelle! Cholet c'était tube, un nouveau défi disponible! Arène de combat, une nouvelle classe est ouverte! Allez voir, Bing! Ok. Ah, donc j'ai des trucs à faire. Bienvenue dans le hall des défis! À la porte se trouve l'arène de combat. Combattre de puissants monstres pour fortifier votre corps et votre esprit. On dirait bien que... Oh, vous avez gagné en expérience! Très bien! Ouais. Vous avez gagné le droit d'entrer dans l'arène de combat, oui! Je vais lire dans votre mémoire pour créer des monstres encore plus puissants. Et si vous parvenez à vaincre ces monstres, que se passera-t-il? Vous offrira des trophées, des trucs cool et des récompenses. Incroyable! Serez-vous repousser les limites de votre technique? Pouvez-vous tenter le défi? Bah écoute, ça compte pas le faire. Le jeu était sorti sur DS, ouais. Ok. Niveau mini recommandé 18. Je suis niveau combien, moi? Oh, je peux le faire, ça, je pense. Combattre. Waouh! La version X! Mais attends, mais on est où, là? On est sur Monster Jogger ou comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Attends, mais... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh merde. Eh merde. Première attaque, je me fais bouffer. Let's go. Allez, sinon je vous fous le carapace. Hein. Wouh! Ok. Elle est compliquée la version X. Encore? Ok. N'attendez pas à ce qu'elle attaque. Moi j'utilise que la carapace. En fait, avec mon setup actuel, vu que j'ai beaucoup de chances de critique et que j'ai des avantages en jouant la carapace, autant que je joue carapace, en vrai c'est con, mais c'est le plus simple. Hein. C'est le plus simple. Oh, les critiques! Pourtant, j'essaie de pré-shot. Hein. Oh la vache! Mais je peux pas les... Ah! Ok. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça plus tard. En vrai. Bon, on va leur casser la gueule à eux, vite fait, là. Allez, Mario, survie! Putain, mais en fait, Mario il se prend un coup, il est mort en fait. Vas-y, on va la risquer. Boop.
bon, c'est réussi. J'ai bien fait de prendre le risque. Let's go. Victoire de Mario et de Luigi dans la classe 1. Nice, vous avez gagné un trophée classe 1 et 1000 pièces. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bah, vu la galère que c'est le premier, on va s'arrêter là. Hein. J'ai pas. On va pas se mentir que je vais peut-être y aller. Hein. Mais pas mal, j'aime bien. Ça, c'est quoi ça? Bienvenue dans la hall des défis. Derrière cette porte, c'est le cholestétube. C'est l'endroit où vivent les cholestérons, très mauvais pour la santé. Un truc tout gras peut être vaincu aisément mais se déplace en bande. Vous devez attaquer les cholestérons longuement, puissamment, ardemment, passionnément, bing. Longuement, passionnément, attaquer les cholestérons à la limite de votre technique. C'est un défi. Ouais. Oui, bing. Ouais. Et si vous parvenez à obtenir des bons scores, que se passera-t-il? Nous vous offrirons beaucoup de pièces et de présents de luxe. Ah, formidable, bing. Et là, devant vous tant que c'était tube. Mais vous rentrez, bing. Oui. Bon, ce que ça donne... Mode sans fin, mode Boeing. Attaquez les cholestérons jusqu'à ce que vous échouez. Ah mais oh trop bien! Mais oui c'est le truc, c'est comme les trucs de Bowser mais avec eux. Ah, ça va montrer, ça a entraîné ma technique avec la carapace. Hein. Ça va sinon le chat. Vous êtes prêts à vous emmerder un peu? Donc il faut que je reste focus en plus. Non ! Il faut que je reste focus, en plus je viens de le... Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Juste ta gueule en fait. Putain mais je me déteste. En fait c'est chiant parce que c'est pas très intéressant pour le stream vu qu'il faut que je me focus pendant genre 5 minutes. Ah oui c'est vrai qu'un peu Bowser a un peu de cholestérol hein, heureusement qu'on est là pour l'aider. Bon je fais combien déjà 150 ? Le rang B, c'est de la merde, 50 pièces. Non mais vas-y, j'en ai... Ah si, non mais ouais, c'est bon. Le choker. C'est vrai que j'ai pas allumé la cam derrière, enfin la lumière derrière. Bon, la lumière est pas si mal en vrai, j'aime bien. J'aime bien comment il y a la lumière actuellement, c'est bien. C'est quoi le mode Boeing? Non, c'est plus impossible avec le casque Boeing. Ah d'accord, ok. Ouais bon, ce genre de défi faudrait que je le fasse mais c'est un peu relou je trouve. Ah bon allez, continuons avec le Bowser. Est-ce que j'avance avec le Bowser? Ouais je vais m'envoler ouais. Fallait que je retourne, ouais c'est ça, fallait que je retourne ici. Et après je me souviens plus de ce que je devais faire. On va voir. J'ai cette musique en tête depuis je sais pas combien de temps, c'est insupportable. Toujours c'est insupportable. Il n'y a pas de petit char à récupérer ici. Bouh!
That's a lot of damage. Ok. On peut essayer de romper sur la carapace. Bah la carapace je trouve c'est le plus simple après. Ah non, fallait que j'aille de l'autre côté. Désolé si vous entendez les lits en fond, elle est toujours aussi insupportable. Ça, elle change pas. Hein. Ah non, j'avais appuyé sur ce bouton là, donc non, ça n'a rien à voir. Non, non, c'était bon, c'était bon. Justement, on revenait de par là. On avait débloqué la capacité de taper le sol avec la carapace. C'est ça. Donc là, maintenant, faut qu'on trouve les boutons sur lesquels appuyer. C'est ça. C'est ça, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Croyez-moi que je donne tout pour ne pas m'énerver. Hein. Mais là, l'idée de vraiment se foutre de ma gueule. Hein. Mais je donne tout pour ne pas m'énerver. Oh! Attends. Wow! Ce serait pas un passage secret? Ah, c'est bon, elle a fini. Là, elle va essayer d'ouvrir le frigo. Parce que du coup, j'ai pas réagi quand elle gueulait à la porte. Donc là, elle va essayer d'ouvrir le frigo. Exactement. Ah, je la connais par cœur. Voilà, là elle miaule parce qu'elle essaie d'ouvrir le frigo, elle y arrive pas. Et ensuite, elle va se mettre sur le tapis. Elle va râler jusqu'à temps que je réagisse. Jusque là, c'est une idée classique. Hein. Là, elle essaie d'ouvrir le frigo. C'est ça. Je connais ses mouvements, je connais ses faits et gestes, mais au pixel en fait. C'est ça qui me fait trop rire. C'est que je connais ses mouvements, je connais ses faits et gestes parfaitement. Non, j'ai changé la scène trop tard. Hold, j'ai changé la scène. Vous avez pas le droit de changer la scène. Bah, la Metal Elite, je la supporte depuis plus de... plusieurs mois maintenant, ouais. Donc au bout d'un moment, tu le connais par cœur. Mais c'est où je devais aller moi déjà? Je vais pas. Faut que j'aille au château de Bother. Il y avait l'étoile en plus. On a dit que où je devais aller. Tu pouvais pas dash sur les plateformes avant? Comment ça? Hein. Comment ça hein. Ouais, tout ça, ça dégage. Bah, de toute façon, faut que je passe par là. Hop. Bli. Voilà. Et ensuite, on arrive ici. Et on va au château de Bowser. Bah tout ce qui est ça, ouais. Et puis l'autre, ouais, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai tout. J'avais peur de plus avoir. Mais non, c'est bon, je les ai encore. Bah du coup, faut que je remonte là-haut. Hein. Faut que je remonte au château de Bowser et j'avais pas de TP. Donc je vais peut-être avoir une TP maintenant, parce que là, j'ai beaucoup de chemin à faire quand même. Voilà, oui. Fameuse musique. Et de tomber, on va faire une affaire. Ah bah peut-être, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. On y retournera. Ah bah tiens. Boum. Et là j'arrive. D'accord. C'est-à-dire que ça m'amène où? Ah, c'est le tuyau qui est là-haut. Ah ok. Et du coup là j'arrive là et ouais ok d'accord. Ok. D'accord. C'est un raccourci quoi. C'est un petit raccourci. Vers la surface, raccourci vers le château. Ah, mais c'est un raccourci dans les deux sens. Tu peux aller dehors, Lilith, hein. Tu peux aller dehors, hein. C'est ouvert. Hein. Bah oui. Et con. Bam. Petit raccourci. Ah oui, c'est même plus... Ah oui, c'est plus un... Ah oui, non, mais c'est pas un raccourci, là. C'est vraiment... Ouais. Ouais, ok. Que direz-vous de notre spécialité des biscuits Krakowitz? L'harmonie parfaite entre le croquant et le fondant. Allez, achetez-en. Enfin, c'est ce que je dirais si j'étais pas en rupture de stock. Et c'est ouvert, hein.
Oh le chat, mais le chat d'assister, non mais vraiment, enfin. C'est ouvert, abruti, regarde, c'est ouvert. Tu peux aller dehors. Voilà, va dehors maintenant. Elle a de m'emmerder. Ah oui. Ah oui. Putain, si je n'ouvre pas la fenêtre en lui disant allez-y madame, vous pouvez sortir, elle est bloquée. Quand je vous dis que c'est une princesse ce chat, c'est. C'est même pas une vanne, hein. C'est une princesse. Si tu ne tiens pas la porte. Si tu ne tiens pas la porte, non, elle veut pas sortir. Je vais pas prendre deux chats si vous voulez avoir une vie tranquille. Ouais, mais ça fait de la compagnie quand même. Tu vois. Pour être tranquille, certes, mais bon, ça fait de la compagnie quoi. J'ai quelque chose à faire ici ou pas? Non. Bon bah... Remontons alors. Je suppose. Petite sauvegarde. Avec l'écran qui bug. Et bien sûr. Après il faut choisir un bon chat. Regardez les différentes races de chats et vous voyez quel chat ne supporte pas être en appartement ou autre quoi. Prenez pas le premier chat que vous croisez. Et surtout, adoptez. N'achetez pas. C'est quoi ça hein? D'accord. C'est quoi ça? Ça a l'air d'être un truc qu'on peut, on peut réagir avec. D'accord. Bon bah pour l'instant rien. C'est Lorenzo. Ouais donc là on retourne. On retourne sur la scène. La porte là elle est ouverte ou pas? C'est peut-être par là qu'il faut que j'aille justement. Ok, c'est fermé. Bien. Ah. D'accord. Maintenant, c'est ouvert. Il y avait un gros bouton. Tout simplement. Ah, ça, c'est pour réouvrir la porte, je suppose. Ouais, ça. On va s'embêter à appuyer dessus. Ok, donc là, on arrive dans le souterrain, quoi. Enfin, on va arriver dans les souterrains du. Un passage secret, on va dire. C'est quoi ça? Le passage qui mène au sol est condamné. Oh, maudit Krakowitz. Ok. Donc RIP. Merde. Ok. C'est le malo. Ah, oula, c'est quoi ça? D'accord. Oh, je me demande comment je dois battre ce boss. Ah, je me demande comment je dois affronter ce boss, déjà. Évidemment. On y va. Bien sûr, il y a un petit chat. Il y a un petit chat, évidemment, puisque c'est une nouvelle zone. Yes! Bravo. Ah, ok. Oh, j'ai pris tellement cher. Ah d'accord, bah je connais pas le mob donc forcément ça va être compliqué. Voilà, merci. Oh le bâtard! Mais putain, mais ils font trop mal. Non! Oh, il a un HP! Ok. Allez, termine-le. Yes! Ouh! Ok, la zone est un poil dangereuse. La zone est un peu dangereuse. Un tout petit peu, hein. Je me suis fait un peu dessus, hein. D'accord, donc faire attention du coup. Oh, c'est pas une bombe. Il y a d'autres versions. Showtime! Il est tout seul surtout.
Non, non, non. Ok. Est-ce que faire ça, ça va marcher ou faut vraiment 101, ouais, ça va, ça marche. Ok. Non. Non, non. Putain, c'est... Allez, c'est... en vrai, ils sont durs ces mobs. Ils sont durs. Ok. Ah! My boy! My boy! C'était Jeff. Merci, my boy. Rien ici, du coup, ouais. Alors, deux chemins s'offrent à moi. Trois chemins même s'offrent à moi. Je vais d'abord aller en bas. D'accord, ça m'amène encore vers d'autres chemins. Le choix est encore plus dur. Ah, ok, ce sera un raccourci pour plus tard, ça marche. Je vais pas te casser les obstacles sur ton passage, bien sûr. Bam! Ça, c'est un obstacle, tu vois. Encore? Il y a un autre chat. Ah, vous l'entendez derrière. Hein. Ouais, vous l'entendez. Hein. Bah ouais, mais... on va faire grand chose, malheureusement. Mais j'appuie sur la carapace. Non mais c'est pas possible. Ok. Ça j'ai pas compris. Ok, si j'ai compris. Ça c'était pas clair quand même. Boum. On espère qu'un seul par combat de souvenir. Ouais mais du coup il y en a plusieurs dans la zone, c'est ça que je veux dire. Et j'étais pas au courant qu'il y en avait plusieurs dans la zone. Yes! 3 pièces d'équipement. Nice! Ça, ça m'intéresse. Hein. Il y a un petit 3 pour les cornes? Il y a un petit 3, je l'ai vu au tout début, ouais. Let's go! Bah tiens, du coup, oui. Du coup, équipement. Du coup, je vais mettre des crocs, ça fait quoi du coup? Chance de brûler les ennemis doublée. Mama. Augmente les maximums de PS, non. Augmente la défense, augmente la défense, augmente mon max de PV. Ça peut être pas mal. Pièce x2, bon, on s'en branle. Pour l'instant, je vais mettre ça, hein, je pense, pour augmenter les chances de brûler. Hein. Ça peut être pas mal. Hein. Ouais, c'est bien. Trop bien. Ah bah ça me va. Ah bah. C'est quoi la moustache et les cornes? C'est pour augmenter les chances de critique, mais également pour avoir des chances d'avoir des réductions dans les magasins. Parce qu'augmenter la taille de la moustache au lieu d'augmenter la puissance, je trouve ça très drôle. Même si c'est pas la bonne strat, je trouve ça très drôle. Bah qu'est-ce que t'as, tu moudes? Bah alors? Elle aime pas quand je réagis pas, elle aime pas. Hein. Elle aime pas. Ah ouais, ça... On le voit, là, pendant 5 minutes, elle a pas arrêté. Hein. Ouais, c'est fort tous les cris, là, bien sûr. Bien sûr que c'est fort. C'est pour ça qu'on joue moins de temps. Hein. Je vais d'ailleurs avoir une manière de faire avec ça, mais je sais pas ce que c'est. Boum! Ok. Ah putain, le troisième, je l'ai pas eu. Merci, mon grand. Bah, ouais, la stat de crit, c'est fort de base. Hein. Mais bon, c'est pour changer un peu, tu vois. C'est pour changer un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Oh, bonbon étoile, nice. Ah! Donc, je pense que c'est là que je dois aller. Ça fait quand même zone un peu spéciale, quoi. Oui, je vais dégager raisonnable, évidemment. Ah, quoique.
Ah, quoique. Si elle sauvegarde ici, non, c'est. Non, non, faut, là-bas, c'est safe. On peut aller voir. De toute façon, c'est sauvegardé. Ah, bah oui, c'est. Oui. C'est là où il a bouffé. Bah, il reste encore à manger. Oh, ça tombe bien, j'ai un petit creux, ça va me caler. Eh, hey, une minute! Tu vas encore devenir tout bouboule! Il me suffira de faire de l'exercice pour maigrir. Ah, bah dans ce cas, comme tu voudras. Bah non, mais j'aime pas quand on me dit quand tu voudras, parce que du coup, j'aimerais qu'il redevienne bouboule. What? Ah oui. Ah oui. Putain. Oh non, fais chier. Alors regarde, je te l'avais bien dit, t'es redevenu bouboule. On dirait qu'on peut retourner dans cette zone. Mais on a rien à y faire. Faudrait pas reprendre ton apparence normale. Ça, c'est qu'un estomac sur pattes. Mais j'ai pas que ça à foutre en fait. Genre vraiment, genre on va faire ça là. Mais j'ai pas que ça à faire en fait. Mais j'ai pas que ça à faire. Pourquoi je fais ça? Mais j'ai pas envie. Bah non en fait, non, tu manges pas. Y'a pas de... Non. C'est bon. Je suppose que c'est pour y retourner si t'as besoin de quelque chose, mais je vais retourner sur Bowser. Ah mais ok. Comme ça on l'a vu. Ah oui. Mais c'est si simple. Ah mais c'est ça qu'il faut faire pour... Ah d'accord. Ah c'est ça qu'il faut faire pour perdre du poids, d'accord. Ah, je me sens plus léger. Après il y a un monde où faut évacuer tout ça quoi. Donc bon. Je dirais pas que j'ai peur mais... Ah, je savais pas, fallait... Ah. Ok. Ah mais c'est bon à savoir en vrai. Mais moi je savais pas qu'il fallait juste faire ça, genre... Moi je pensais qu'il y avait tout un travail et tout... Je pensais que c'était... Voilà, il y avait un truc à faire quoi pour faire du sport. Fallait pas juste faire 2-3 push. Mais apparemment si. Oh non. Oh non. Pourquoi j'ai peur de la statue là? Donc on va charger de déboucher les chiottes, t'as peur de... Ouais c'est ça, lui il va perdre sa vie lui le pauvre. Ah. Hop là. Comment ça des crocs brillants? Inutile mais peut se revendre cher. Stonks. Non mais au moins c'est honnête. Au moins c'est honnête. Ils auraient pu dire c'est trop bien, non ils ont juste dit bah c'est de la merde. Mais j'ai rien à faire ici. Comment ça? Le seul truc qui était un peu étrange, c'était la statue, mais la statue, qu'est-ce que je dois y faire? Je peux interagir avec? Ah, je peux interagir avec. Ok. Plus simple. Ah, c'est quoi cette statue 12? Je vais la réduire en miettes. Ah, et là, du coup, il va falloir... Une minute. Si je me trompe pas, juste en dessous...
C'est le passage qui mène au sous-sol. Mais, c'est bien sûr. Il met sa mère. Et regarde! C'est terrible! La statue de Maître Krakowicz! Attendez. Je vais faire un peu de place sur le bureau. Pour rapprocher la GoXLR, ce sera plus simple pour moi. Hop! Parce que j'en ai marre de faire des. De m'étirer les bras à mort juste pour appuyer sur un putain de bouton pour changer ma voix. Voilà, viens là, ma grande. Ouais, parfait. Maître Metamos et le Maître Krakowicz sont absents! Il faut qu'on les arrête nous-mêmes! Mais comment on va faire? Il a l'air trop fort! Rassemble toutes les troupes qu'on puisse dans le château! Et vite! C'est parti! D'accord. Ok, quoi? Et Bowser, il a chié. Les points faibles de Bowser a chié en fait. Mais reprenez votre esprit, bande de zéro! D'accord. Et donc là, faut que j'aille au niveau de la salle des gens, bien sûr. On va pousser à la salle! Pensez pouvoir vous débarrasser de moi aussi facilement? Eh bien, vous allez être déçus. D'accord. Merde! Attendez. Quoi? Mais c'est quoi ce Switch? Mais pourquoi ils ont mis Mario? Mais non! Bah non! Mais Mario et Luigi se sont dit, tiens, on va faire un petit plaisir, on va switch! Bah non! Tu switches pas comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire quoi ça? Mais en plus, non, mais c'est Mario et Luigi qu'on tout niqué, c'est même pas. Non, mais c'est fou! Non, mais c'est fou! Non, c'est fou! Et alors voilà, qui résiste le bougre? Le bougre résiste? Oh mais what the fuck, les moustachus qui me brainent? Non mais j'ai jamais vu ça genre. Mais reprenez vos esprits, bande de zéro! Non, c'est pas cette voie là. Bon, c'est pas grave. Yaa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 
Bah content, content d'être venu pour rien alors. Très bien. Merci Jachid pour le 9e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jachid. J'ai mis les cubes. Ne vous inquiétez pas, la période des cubes va reprendre durant cet été. Vous aurez de quoi faire. Nice. La statue, je pouvais rien y faire. Je pouvais rien faire à la statue. Ah ! Ça, c'est dommage. Encore un chat ? Non. Une cité ? Ah putain, s'il y en avait qu'une seule. Bam. Boum. Ça dégage. Alors attends, il y a deux chemins, il y a ce chemin-là, il se referme. Donc ce chemin m'intéresse plus. Spoil ? Pas vraiment. Pas vraiment. Ah ! D'accord. Très utile comme zone. Ah ouais, d'accord, ok. Bah bon, je sais pas comment ça va se passer du coup pour ici. Ah ! Nice. Un super sea rope. Très bien. Oh les bombes! Le voilà, le maître Bowser, il est là, enfin il est là! Et je sais pas qu'elle va leur faire. Yes. On est sorti! Ça y est, on est sorti! On est enfin sorti! L'armée des bonbons vous a rejoint. Vous pouvez maintenant utiliser l'assaut bonbombe. Voulez-vous vous exercer? Non. Je vais apprendre sur le terrain. Ouais! Ouais, 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 ouais. Oh, ça suffit là. Et vous allez vous calmer. Oh. Oh bah c'est étonnant, je m'attendais pas du tout à ça, tiens. Ouais. Là il vient de tuer, il vient de tuer des gens là. Là il vient de tuer des pauvres personnes qu'on a demandé. Dont la vie ne tient qu'à un fil. C'est des bombes. Voilà, mais il est content. Un peu de merde, hein. Oh là. Mais j'appuie sur Y. Non mais c'est dingue. Voilà. Et en plus ça donne l'XP. Tout ça, en plus ça donne l'XP de les tuer comme ça, voyons. C'est... Oui, il y a une clé derrière. Il y a une clé derrière. Mais j'appuie sur Y. Mais c'est... Non mais c'est affolant. C'est affolant. Ah cool. Assaut vos bombes. Faites vite glisser les bombes pour les aligner, d'accord. Vas-y. Ça va être la merde mais on y va hein. Quoi? Ah. En fait, fallait que je vise un mec. Ah bah oui, logique. Non mais j'ai pas besoin de tuto, moi. Oh merde. Oh merde.
Bref. Nice. Non! Mais j'ai pas le temps d'appuyer sur Y, c'est pas une blague. C'est dingue! Donne la vie. Merci. Merci. Bah, il m'a dit d'aligner, moi je les ai alignés. Mais je pensais pas qu'il fallait les aligner sur l'ennemi. Moi, vous savez, je suis. Moi, je vraiment on me dit fais ça, je me dis oui, monsieur, quoi. Ok, je peux pas aller chercher ce qu'il y a là-bas. Moi, j'y vais un peu façon bébête, quoi. C'est ça le truc. Là, j'étais bébête. Là, j'étais bébête. Par exemple. C'est cool en vrai. Cool parce que vraiment. Mais cool en vrai. Tout va bien. Au moins on perd pas de vie. Voilà, s'il faut trouver un avantage, c'est qu'on perd pas de vie en faisant ça, donc ça va. Salut Cricri. Petit poulet explosif. Voilà, bah c'est explosif. Cool. Je peux pas faire 2 mètres sans prendre de risque. Ok, c'est bon. Oh non! Ya! Showtime! Allez. Voilà! Ça c'est géré mon pote. Bouh! 142. Ça dégage. Allez, là je l'ai. Voilà, je l'ai. C'est bon, j'ai les réflexes. Ouais, ça qui est dur dans le jeu, c'est dès que tu découvres des persos, enfin des monstres que t'as pas affrontés, faut que t'apprennes leurs patterns. Et pendant que t'apprends les patterns, tu prends ta mère. Tu prends très cher. Et bon, 21. Let's go. Il y a un 3. Let's go, on y va. First try. Let's go en fait. Let's go. Un peu la flemme. Bon bah du coup pas la flemme. Oh, il y en a qu'un seul, ça va. Bam. Oui, l'émulateur fait un peu des trucs bizarres quand il est dans le Switch, oui. Mais malheureusement, on peut pas faire autrement. Nice. Vous avez un vu. Un super sea rope. Oh l'enfer. Il y a un trait. Il y a un petit trait qui est coincé là. Ah, je peux pas y aller. Ok. Il y a un point de sauvegarde et un magasin. Non, mais je pense que c'est comme ça. Hello, Mister, comment allez-vous? Que vous cherchez le petit chat? Oui. Soignez-moi. Et en négatif, let's go. Oui. Que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce que tu vends de beau? Oh, bracelet de chasseur. Ennemi vaincu égale attaque plus 10% jusqu'à max 30. D'accord. C'est très situationnel quand même. Hmm.
Bah glouton pour manger deux poulets à la fois. Rend 4 PS à chaque tour. Il y a des choses intéressantes à la place du croc brûlant quand même. Hein. Genre un bracelet vampire par exemple. Ça pourrait être pas mal ça. 8% des PV par coup de poing. Après c'est très... Ouais c'est pareil, c'est pas forcément si dingue que ça. Un bracelet métal simplement. Puissance des coups de poing plus 1%. Bien sûr, Terre. Mais sur chaque let's play, hein. Sur Dragon Quest, c'était 5%, c'est 100%. Sur ce jeu-là, c'est first try. Enfin, c'est ça qui est important quand tu fais du stream. C'est voilà, il faut donner un rappel aux gens qui se souviennent de toi. Ben oui. Eh oui. Et qu'on... Ah, allez, bracelet vampire. Allez, à la place du croc brûlant. Ah, on peut mettre deux bracelets. Ah, bah non alors. Bah non. On va mettre ça du coup. On va mettre deux bracelets, mais il a deux bras. Enfin, je vois pas. Allez, petite bague apaisante. On l'équipe maintenant. Non, pas une deuxième. Ah, vous voulez vous gratter avec 4 de réduc? Ouais. Là. Ouais, une réduc. What a surprise, j'ai une réduction catégorie 2. Merci. Peut-être vendre les crocs que j'ai eu justement. Seulement, inutile, il peut se revendre cher 1000 balles, mais c'est pas beaucoup. Bon. On y va. Oh mais c'est pas du tout encore. Showtime. Oh non. Ok. On va faire ça déjà pour en brûler un. Enfin pour en tuer un. Vu que la bombe va juste exploser. Let's go. Wouh! Oh le critique à 180 là. Ouais. Contre jeu à Pixelmon. Oui on trouvera un temps pour jouer à Pixelmon, oui bien sûr. Pour l'instant j'avoue que j'ai pas trop envie. Mais ça reviendra. Ce n'est pas abandonné. Bon, allons voir un petit peu ce qu'il y a par là. Voilà. 60 balles. Ouais, la thune, l'argent, la monnaie, voilà, ouais. Ah, il y a un autre chemin par là. Encore, faut que je continue. Attends, mais il y a un moment où faudra que... Il n'y a pas un moment où il fallait que je tourne là-haut hein. Apparemment non. La bascule minceur, grand succès au Royaume Champignon, arrive au château de Bowser. C'est toute votre force pour exercer une pression sur la planche. Quand vous serez en haut, une pression... Oui. Ouais, non, mais d'accord. D'accord. Ah, ok. Bon, on verra ça plus tard, alors. Est-ce que je serai pour la méga cité de Guile? Bah, bien sûr. Après, avec quel type, je sais pas encore, mais... J'ai eu quelques propositions. Pour l'instant, je sais pas. Merde, mauvais timing. Ah, les combats trop chiants. Ah, c'est normal, ce jeu il date un peu, hein. Mais enfin, de temps en temps, c'est cool. Let's go. Bah allons voir ce qu'il y a là-bas hein, du coup.
Et bah que dalle. Entrepôt spécial, accès autorisé uniquement aux membres du club secret de Bowser. Un nouveau système de sécurité a été installé, il va falloir appuyer sur les boutons dans l'ordre. Afin d'enclencher les boutons de la porte, il faut appuyer sur les autres... le bon nombre de fois. Le nombre de fois dans l'ordre sera communiqué comme membre du club. D'accord. Donc ça sert à rien de revenir ici en fait. Bon, évitons tous les mobs ici, si on peut se dépêcher. Aïe. Voilà, alors. What? Ah! Boum! Ah, il se reset automatiquement, ok. Scène, putain! Excusez-moi. Mais c'est pas replacé. Excusez-moi pour la scène. Hein. C'est l'heure, Manel. Merde. Ah. Bam. Oh, le cut. Ah non, fallait que j'aille de l'autre côté, putain. L'autre côté d'abord. Bam! 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 Et voilà. Tout ça pour... pour 100 balles et un Mars. Let's go. Salle des coffres, la porte est verrouillée, pas facile d'entrer. Il faut aussi être plus futé que moi pour déplacer le mécanisme. Ok. Chelou l'ambiance. Il y a deux chemins dont un qui mène à rien. Donc j'allais voir ce que c'est le chemin qui mène à rien. Enfin qui est censé mener à rien. Ah c'est le cut. That's the way. I like it. Bam. Tu. Bon, attaque des bombes, on a dit. Hop. Bon, faut que je les cale par rapport au mob. Ok. Pas mal. Pas mal du tout, les dégâts. Ah ouais. Ah oui, c'était pas trop con en plus. Normalement, tu peux mettre beaux dégâts quand même. Let's go. Je ne peux pas appuyer sur Y, c'est insupportable. Ah, c'est chiant. Donne la vie. Merci mon grand. En vrai, il y a un level up soon. Hein. Faudrait peut-être que je tabasse 2-3 mobs quand même. Il y a un level up real soon. Non. Oui. Ok. Ah, 152. Qu'est-ce qu'il y a? Sympa le sac qui l'attend. Est-ce que si je fais ça, ça marche?
Ouais, bon, les dégâts sont pas fous. Ok. C'est quand même fou de se dire qu'on est en train de tabasser un tombe malade. Hein. C'est vraiment. C'est un autre monde. Hein. Yes! Le bon plan. 252 vies. On la vitesse après? Bah non. Bah non. Si on peut augmenter les cornes, j'augmente les cornes. Let's go. 80 de cornes. Très belle corne. Hein. Très 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 belle corne. Hein. Bello corne. Hop, allez, on y va. Encore un boss de sauvegarde. Bah tiens. Je pense que c'est le hasard, hein. Non, j'ai pas oublié la scène, Ouais. Je n'ai pas oublié la scène. Vous mentez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. D'accord. Merde. D'accord. Ok. Non, my bad. Ok. Coup simple pour le mettre devant. Ok, c'est même pas terne, ça va le faire. Coup simple pour le mettre devant. Coup chargé pour le mettre derrière. Voilà. Hop là. C'est dans cette salle que se trouvent tous les trésors que j'ai volés. Même Dracovitz ne pourra pas y entrer. Bah... Oh, j'ai l'impression que ça va pas vraiment être vrai. Oh! Mais qui est quoi ça? Ah oui, il a littéralement fait un train dans son... D'accord. Pas mal. Pas mal. Et depuis quand c'est là? Maître Bojeu! Ah. T'es retrouvé par Apuné Marskou? Maître Bowser, quel honneur de vous revoir! Et chez le château, il a l'air en bon état, c'est rassurant. Mais comment ça en bon état? Regardez-moi ces rails! Wouah! Et qui a construit une ligne de chemin de fer ici? Château de Bowser! Château de Bowser! Pardon? Voici le château de Bowser! Il aurait bien. Non, attends, qu'est-ce qu'on fait comme voix? Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire comme voix pour ça? Voici le château de Bowser. Il aurait bien besoin de travaux, mais le Brobrio est trop radin. Bah tiens. Mais vous, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est très simple, oui. Le tunnel secret que vous avez demandé est creusé, terminé? Ouais. Pardon. Vous avez même aidé à les forer. C'est vrai, mais... Je me souviens pas de vous avoir demandé de construire des rails dans cette pièce. Mais... Le secret a été arrêté par la confondation Krakowitz. C'est les affaires, vous comprenez? Les affaires. Grâce à ça, on a pu déléguer le forage à des larbins. Des larbins. Maintenant, nous sommes dans le cadre d'élite de Graco Express et on est super bien payé. Graco Express a construit le métro Krakowitz, c'est excellent, vous voulez monter? Oh, même meublier est super cher. Mais je sais plus quelle voix j'ai fait, du coup j'ai tout raté. Mais en vendant ça au miteux, vous pourrez pas vous le payer. Mort. Ah, ce bigleux vous mène par le bout du nez. Maître Bowser, ne rentrez pas dans leurs œufs. Oui, il a raison. Nous sommes venus chercher le vaccin étoilé. Ah, c'est vrai, le vaccin étoilé, il doit être dans cette pièce. Et le vaccin étoilé devrait être... Bah, il devrait se trouver dans ce coffre là-bas. Logique. Un coffre? Où ça? Celui-là. Attention au départ, hein. Je me suis trompé de profil, mais c'était pas mal, j'ai bien aimé. Attention au départ, messieurs dames. Ok.
Attention, des cailloux se trouvent... Ah merde, des cailloux se trouvent sur la voie. Attention, messieurs dames. Ah, mort. Bah, Bowser est mort, là. Oh non, mais putain, mais j'en ai marre des combats de géants. Le boxeur, on peut plus. Ah oui, Nous vous attendions dans cet endroit secret pour vous prévenir du danger que mène la vie, que menace la vie de Bowser. Allez sauvegarder à l'aide de l'hémoglobine à droite. Puis il vous faudra embarquer sur le canot de vie et vous aventurer sur le fleuve de l'adrénaline. Voulez-vous embarquer? Let's go! Allez, on est reparti. Y en a que ça à foutre. Easy. 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 Mais bon, mais ta gueule! Je meurs. J'ai perdu mes 3 vies en littéralement une seconde. Parce que j'ouvre ma gueule. Par contre, y'a pas d'eau. Ça manque d'eau, ouais. Ah, si je pouvais fermer ma gueule, ce serait pas mal quand même. Je fais n'importe quoi. Tout va bien. Putain de merde. Tranquille. Bah voilà. Ouais, c'est easy. On dirait que l'énergie est revenue. Oh! Alors j'ai plus de vie, mais le truc non plus. Oh, l'énergie s'en s'est fouillée. Oh la frame! On dirait que Bowser il a bougeoui! Ah! Finalement, ce Bowser, quelle mauviette! Le Dracovitz serait sûrement très heureux! Comparé au Graco Express, Bowser a l'air minuscule. Quoi? Coucou! Coucou mes petits choux! Allez, encore. Wow, man! Waouh! Oh là là! Oh la vache! C'est quoi cette luck? Oh, c'est surtout du talent. Allez! C'est parti! On est mal les gars, qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète, regarde là-bas. J'ai pas fait une scène précise pour m'aider, donc pardon, mais quoi? Tu vois ce pont qui tombe en morceaux? Si Bowser monte dessus, s'effondre à coup sûr, Et on tombera la tête la première dans ce profond ravin. Mais parce que moi je joue comme ça du coup, hein, je suis désolé. Hein. Mais bon, j'ai rien préparé spécial pour m'aider donc. Aussi énorme soit-il, il s'en sortira par d'aime. T'es vraiment futé, frangin. Dépêchons-nous d'atteindre la gare devant le pont. Une fois qu'on l'aura passé, la victoire sera à nous. Uh-huh.
On va voir si prendre comment du coup. À 100 topimètres. Il arrive, dépêchons-nous! D'accord. Ah! Attendez. Oh, je bois mon coup. J'ai un truc au fond de la gorge qui me gratte. Ah! Ah, pardon. Ah! Vas-y, m'abri. C'est pas un peu dangereux de s'arrêter comme ça? T'inquiète pas, ces coups de poing se frappent pas trop. Tant qu'il ne crache pas de flamme, on est tranquille. Oh non, 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 non! Oh non, mais putain, mais. T'es le meilleur, frangin, j'imagine déjà la tronche qui va tirer. Oh putain, ça marche jamais. Je souffle dans le micro! Le micro! Ah, vas-y! Mais du coup, c'est moi, je le passe pas, hein. Ah, attendez, je vais regarder les settings du microphone parce que bon. Le problème, c'est que oui, là, je peux pas utiliser le micro, donc forcément. Bah, oh, et. Je souffle là. Actuellement, je suis en train de souffler. Là, je souffle mes grands morts là. Là, je souffle là. Je turbo souffle. Mais ça marche pas! Kenny, ça marche pas! Random white noise. Ça? C'est mieux ça? Hein. Oh mais ça a chier. C'est vrai que tu peux utiliser... Bah ça marche pas en fait. C'est pas que je bosse, c'est que ça marche pas. Parce que je peux utiliser des samples mais... Faut qu'ils soient en... Attends. C'est quoi déjà qui... C'est... Je sais plus quel... format faut que ça soit. Ah putain, il veut pas prendre. Qu'est-ce que je vais mettre comme son à la con? Attendez. Je vais regarder dans les trucs que j'ai téléchargés, enfin que j'ai pu enregistrer. Non, mais ça. Ah, le travail, c'est le travail ça? Travail? Ouais. Si je mets ça du coup. Non, enfin, je m'attendais qu'il soit long. Ça? Je veux tous les bouffer. Non. Ah, la France! Oh, bah voilà! Ah, bah je me disais. Me disais aussi. C'est bon, je vais mettre la France! J'espère qu'il va accepter par contre. Ah non, il a. Ah si, il est là. Attends, la France! Oh, non, c'est pas vrai. Ah, non. Must be a Rift Wave valid, must be 8 bits mono PCM. Bon bah, Vegas. Et vous allez pas... De toute façon, vous allez pas l'entendre. Vous inquiétez pas, vous allez pas entendre en fait. Tiens, pendant qu'on est là, tiens, je vais régler ça. Voilà, vous allez pas l'entendre de toute façon. C'est juste qu'il faut un bruit long pour que le micro il entende en fait. Voilà, on va ouvrir. Bon, je suis obligé de faire ça, je suis désolé. Hein. Alors, vu que le niveau c'est que du soufflé, faut que je prenne du coup la France. Attends, je vais mettre juste 10 secondes, je pense. Attention à vos oreilles. Voilà, on va prendre juste ça. Voilà. Et tout, je dois le rendre en tant que. Alors, rendre en tant que. WAV 8 bits modèle par défaut personnalisé. C'était quoi le reste? Attendez, faut que je dise ce que me dit le. Un riff wave file mono PCM. Donc mono
PCM, c'est ça. Échantillonnage. Y'a pas besoin d'échantillonnage particulier ? Ok. Voilà. Ok. Donc là, je retourne là-dedans, je prends mon sample. Techniquement, il devrait être bon là. Sans titre. Bah, il est où ? Là, c'est enregistré où ? Ouvert le dossier. Sur bureau. Sans titre droite. Ah ! C'est pas eu peur. Donc ça, du coup. Oh oui ! C'est bon ! Donc là, techniquement. Donc là, attendez, hotkeys, on est d'accord que le micro c'est bien M. Microphone M, ok. Donc là, techniquement, j'arrive là, je fais ça. Non ? Il en veut pas de mon sample ? Ça marche pas, hein. Ça ne marche pas. J'ai beau appuyer sur le bouton du microphone, ça marche pas. Mais c'est bizarre cette histoire. Normalement, quand j'appuie, ça fait ça du coup. Préparez vos oreilles. Préparez vos oreilles. Normalement, quand j'appuie, ça fait ça. Normalement, ça fait ça. Mais ça marche pas. Du coup, c'est un peu chiant. Un peu chiant. Bah du coup, ouais, let's go, hein. Let's go. Oh, puis attends, utilisez le microphone connecté. Bonjour à tous les amis, c'est David Lafarge, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, ça va être super ce qui va se passer, ça va être super. Travail. Ah, what the blues. Tu vas me prendre mon putain de truc. Ça marche pas. Ah, j'ai maintenu la touche, ça marche pas. Attendez. DS MUM, microphone. Not working. How to use DS MUM microphone. Ah, bah je reviens. C'est mon colis.
Il s'est pas réglé mon problème de micro. Il s'est pas réglé tout seul mon problème de micro. Bon, c'est chiant. C'est chiant. Bon. Bon, comment on s'y prend, nous? Parce que le problème, c'est que ça marche pas, donc... Ça trouve un tuto sur YouTube. Attends, mais... Bah ouais, mais le problème, c'est que je sais pas ce que je dois faire. Je balance le lien. Bah pire, attends, j'ai sûrement ça. Oh putain, mais il joue au même jeu que moi. Regardez. Donc, faut que j'aille dans micro, sample, dsmum. Ouais. Hotkey, ouais. Microphone. Ouais, tu mets une touche, d'accord. T'as la chance. Moi ça marche pas. Moi ça fait pas ça, moi. Moi ça fait pas ça, moi. Non mais comment ils font la chance? Comment il fait? La chance? Attendez. Il y a un fix file à DL. Attendez, je le DL. Ok, mon PC bouge tout seul, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je me fais hack. Attendez, sample, bam. Ah putain, je me suis pas mis la bonne scène en plus. Quel enfer. Là. Ok, et donc là. Oh! Le sauveur! Le sauveur! Incroyable! Merci monsieur. Ah merci monsieur. C'est bon, tout va bien. Ah, le sauveur. Heureusement qu'il est là. Hein. Oh, le blues. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Ah. Mais quoi? J'ai rien pu faire. Ah, d'accord. Bon, en attendant, j'ouvre mon colis, hein, vous m'excusez. Ah, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. La vie que j'ai perdu. Non mais attends, mais c'est un scandale par contre. Mais c'est la vie que j'ai perdu. Bah je me vis, oui. Pas le choix. Petit Pokémon diamant. Bon, y a juste pas le livret, c'est dommage. Un petit jeu diamant. Hop là. Avec la boîte qui est dégueulasse, en même temps je l'ai payé 20 balles. Il va pas s'attendre à autre chose. Ok. Allez, on y va. Voilà. Alors le buisson, il veut quoi maintenant? Il veut quoi le buisson? Je vais mourir. La vie que ça retire, bon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens. Splee! Voilà, monsieur! Alors, on prend le tarif? La vie de ma mère! Splee! Il faut crever maintenant.
Non, pas la foudre. Pas la foudre. Eh merde. Ok, nice. Et on termine. Let's go. Ça dégage. Alors on enchaîne. Quoi? Ok. Merci Chiem pour le 31ème mois de sub. Merci Chiem. Bravo Chiem. Hein. Pourquoi j'en sais rien, mais bravo. Trop chaud maintenant. Maintenant que j'ai réglé le micro, je suis trop chaud. D'accord. J'ai pas compris. Et apparemment, j'ai fait beaucoup de dégâts. Et... Oui. Voilà. Dealer maintenant. Bah j'ai perdu. Travail. Non, me dis pas que je vais devoir tout recommencer par contre. Oh, il a plus de vie. Non. C'est bon. Voilà, c'est battu, monsieur. C'est battu. Let's go, monsieur. 3500 d'XP, je level up même pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Excusez, je vais faire en même temps. Quand j'en trouverai le temps. Hop. La musique balle. Je reçois un jeu, je le teste. Hein. Let's go! C'est pas la bonne scène. Oh, y'a pas à dire, je suis vraiment invincible. Ouais. Alors? T'en étais où? Hein? Ah oui, le vaccin étoilé. Il faut que je retourne au château ouvrir ce coffre. Hey, non mais... Regardez le jeu que j'ai récupéré, regardez. 234 Pokémon. Oh là là là, il y a un truc. Ouais, je m'en fous. Oh, il y a un truc. Alors, est-ce que c'est un jeu, c'est un mec qui a hacké son jeu ou pas? Ah, non, pas vraiment. Il avait des Pokémon niveau 100. Ouais. Ouais, pas mal. Ouais, bon, une team d'une... Oh, il a Gallum Shiny! Quoi? Let's go! Pull up! Oh, ça valait bien 20 balles. Comment dire? C'est marqué rencontrer level 99, c'est que littéralement c'est un hack. Aïe. Eh ouais. C'était un jeu hacké. Voilà, bah après moi je le garde, c'est pour la collecte. Hein. M'en fous. Hein. Ah. Bien. Retournons au jeu. Maintenant que ceci est fait, bon j'ai l'autre colis mais je l'ouvrirai plus tard. Maître Bowser, vous êtes sain et sauf? Bah évidemment. Le vaccin étoilé se trouve sur ce coffre? Ouais, ça me revient maintenant. C'est la fin. Je savais pas à quoi il servait, ça a l'air précieux alors je l'ai mis dans ce coffre. Eh, ouvrez-le vite. Ah, c'était triste pour le 22ème mois, merci beaucoup.
Maître Bowser, ça ne va pas? Maître Bowser? Je me souviens plus. Eh pardon? La combinaison du coffre. Je l'ai oublié. Hein? Oh, j'arrive pas à m'en souvenir. J'arrive pas à me souvenir de la combinaison de ce putain de coffre. Maître Bowser aussi, c'est vous? Pas moyen, je me souviens plus. Hey, Chippy! Chippy, tu m'entends? Ouais, pour la peine de griller, t'as oublié la combinaison du coffre, c'est ça? Si tu cherches dans ma tête, tu devras retrouver la combinaison. Va la chercher! Ouais, dis donc, parle-moi mieux que ça! Quoi? Ouais, j'aime pas beaucoup qu'on me donne des ordres! Trouve-la donc toi-même! Oh, va la chercher, tu veux? Va la chercher, tu veux bien? Va la chercher, s'il te plaît. Je préfère ça. Le cerveau, c'est assez fragile, alors ne bouge surtout pas. Je vais la chercher tout de suite. Ouais, du coup, on va triturer un petit peu son petit cerveau, là. Ouais, faut en profiter. Si on trouve la combinaison avant Bowser, le deuxième vaccin sera à nous. Allez vite dans la tête de Bowser. Let's go. Nouvel endroit. Ah, Monsieur Balkany, bonjour. Bonjour, Monsieur Balkany. Enfin, Monsieur Balkany, vous saurez que bonjour, ça ne s'écrit pas avec un S. Et je peux comprendre, vous êtes trop occupé avec vos activités de mer, bien sûr. Ah, le cerveau. Oula. C'est dégueulasse. Les pustules dans le cerveau. Oh, la tête de Bowser, par contre, sur l'être écran, c'est incroyable. Waouh! C'est beau! Je suis un bloc de sauvegarde! Hémoglobinesque! Mais ça ne me sert à rien, oui, allez. Ah. C'est-à-dire que si on fait n'importe quoi, Bowser peut devenir un légume. Hein. C'est des serveurs. Des racks. Oh, nous sommes dans les archives mémorielles de Bowser. M'attendez pas à ce que ça soit si bien rangé. Ok. Petite analyse de ce qu'il y a dans le Vaucer. Pendant que je fais ça, je vais ouvrir mon colis. Ah, parfait. Ah, excusez-moi. Nous cherchons la combinaison du coffre-fort du château de Bowser. Alerte, alerte, virus détecté. What the fuck? Ma, les virus les plus dangereux se sont introduits dans la base de données. Ma, la sauvegarde des données terminée. Activation du programme d'élimination. Éliminez-les. Ok. L'ambiance est folle. Elle regarde pas, tiens. Ah, est-ce qu'il y a un truc à faire quand elle regarde pas? Balabalabalabalabala. Bah, de toute façon, on va continuer à faire comme ça. Hein. Carapace, c'est tout carapace. Hein. Elle tabasse Mario en premier. Là, vas-y, mets lui ce qu'il mérite. Mets lui sa mère. Tiens! Oh, quel plaisir! Pardon? D'accord. Non, mais nous on joue ni carapace, hein, de toute façon. Bam! La misère à Mario! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh c'est trop fort! Il m'a détruit! Mais ça veut dire?
D'accord. Je vais avoir un petit problème d'XP avec ces deux-là hein, quand même. Hein. Oh merde. Mais pardon. Mais ça. Par contre, les attaques sont incroyables. Hein. Les attaques sont trop stylées. Hein. Mais ça s'écoute! Ça dégoûte! On va en profiter pour celui-là. Mais il peut se réveiller l'autre con là. Merci, voilà, mets-toi, voilà, mets-toi des grosses tartes sa mère, voilà, t'as bien raison. Allez, on y va. Ok. C'est bien Luigi, c'est bien. Merde, j'ai pas réussi à me timer. Oh putain. Ça va être très dur. Parce qu'en plus j'ai pas vraiment de choses pour me heal. Donc Ok. On va se donner ça. Faut ça go marave Mario là. Ya! Bim! Zbli! Bon, ouais, les dégâts sont pas énormes, hein, mais. Le bonus, c'est pas énorme. Ça dégage là! Mais what? D'accord. Putain. C'est tellement dur de timer ça. C'est tellement dur. Alors, j'ai des trucs de soin après, hein. Ok, c'est chaud. Ah mais j'attendais que ça, regardez, hop là, comme ça ça revient en pleine forme. On revient en force. Allez, on y va. Allez, c'est quoi? Go. Let's go. Putain, c'est trop dur de timer ça. Oh, c'est tellement dur de timer ça. Alors ? Putain, mais à chaque fois je suis à rien, ça me rend dingue. Est-ce que je tente ça peut-être ? Pour changer ? Non, je fais bien plus de dégâts avec Je fais bien plus de dégâts avec la carapace quand même. Ah,
Let's go. Non, non. Je te tiens. Dommage. Ah oui, je t'ai pas fait chier, donc... Enfin... T'as pas réussi à me faire chier, donc forcément, tu t'essayes d'autre chose. Ah, bordel. Mais cool! On y va. Let's go. Comment ça? Ah mais il se barre, genre il va se barrer comme Luigi le ferait. Quoi? Bah non. Bah non. Bah non. Ça marche pas comme ça, non? I said no, no, no. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh les critiques. Oh les critiques pour terminer le Mario, ça dégage. Vas-y mais go l'achever, go l'achever, go l'achever, on y va là, on y va. Allez on y va. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Quel enfer. Putain, le timing. Oui. C'est bon là. Je lui casser la gueule. Mais oui, non. Non, oui, oui. Non. Arrête. Je suis un abruti. Je me déteste. Je me déteste. Je me déteste. Oh, je suis si nul. Oh, oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Allez, on recommence. Oh, je me déteste. J'avais tout gagné. J'ai fait la... Ah, ça dégoûte. Est-ce que je vais peut-être tabasser Luigi du coup. Ah le premier, la première mort. La première mort. Attends, j'avoue que le combat est très très dur. Hein. Et non mais Nick. En plus, c'est Luigi qui nous a tués, genre imagine. Il nous a tués sans faire exprès parce qu'il se faisait poursuivre par un bout quand même. C'est quand même dingue cette histoire. Une bonne résistance quand même. Il est parti. Ok. Bah. Soit. Donc la strat c'était de tabasser Luigi d'abord. Ok. Voilà. Ok, full Mario. Et merde. On le mettra avec Mario après. Oh, la strat carapace, ça marche tellement bien. Putain, mais ah, c'est déjà moi. Let's go. Ça tape bien, ça tape bien. Ah. Ah. Pardon. J'ai un peu paniqué. Ça c'est bon pour changer un peu. Hop. Bam 87. Ça tape bien.
Oh non. Il est de retour. Eh, ça dégage là! Mais comment ça, ça dégage pas? Hop hop, putain mais... Putain mais... Je me fais casser la gueule. Je me fais casser la gueule. Les timings, c'est pas ça. Les timings sont durs à avoir hein, contre eux. Hein. Vraiment. Vraiment, les timings sont vraiment durs à avoir contre eux. Voilà, ça va mieux. Allez bordel. Là j'étais mauvais. Là y'a pas d'excuses ou quoi, j'étais mauvais. Ah oui, c'est bon. Ok, Mao tombe. Let's go. Juste ouvrir ça vite fait. J'espère que ça suffira. Hop là. Ah non, excusez-moi, je regardais quand même mon colis parce que... hop. Ouais. Let's go. Non. Ah, putain! Vas-y, non, mais vas-y, il me fait trop peur. C'est mort, je me bombe aux étoiles, j'en ai rien à foutre. Il me fait trop peur. Il me fait trop peur à faire ça. Ah, il me fait trop. Cette attaque, elle me fait trop peur. Avec le fantôme, là, ça fait c'est trop dur. Je suis trop mauvais sur ce boss, hein. Je suis trop mauvais, hein. What the fuck? Allez, casser la gueule! Boum! Bien vu, Mario. Boum! Non! Putain. Ok. Bon, donc, il regarde pas. Voilà! Non mais c'est... C'est fou. C'est fou. On active ça. Ah c'est quoi, je focus Luigi, let's go. Oh le 23. Oh! Alors, voilà, barre-toi mon grand, barre-toi. Normalement c'est gagné là. Là je fais ça, c'est gagné normalement. Vu que le Luigi est parti. Nice. Mais il revient quand même ce... Non mais j'en peux plus. C'est bon. Bien joué Mario.
Je vais changer un peu d'attaque parce que les carapaces c'est marrant, mais au bout d'un moment c'est chiant. Tessa! Oh bordel! J'ai quand même pris ma première mort. Peu dommage. Non. Non, je l'avais! Je suis en impossible. Let's go. C'est bon, j'ai eu deux fois de suite. On augmente que la moustache, on a dit ici. Hein. Ah, on peut pas l'avoir direct. Ok. Oh oui, monsieur, le timing. Parfait. Ça quoi cette stat? Elle augmente les chances de critique. Alors attendez, je vais juste faire un truc comme ça au moins. Tac, voilà. C'est bon. Hop, let's go. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Affirmatif. C'est moi qui gère la mémoire. Attends, hein. Impossible de vous éliminer. C'est mieux comme ça, on dirait un peu GLaDOS. Mais pas de problème. Activation provisoire du programme de surveillance. Affirmatif. Ah pourquoi? Pourquoi prenez-vous cette apparence? Affirmatif. Je prends une apparence qui me permet de communiquer avec vous aisément. Cette apparence a été conçue à partir de précieux souvenirs conservés ici. Nous voudrions connaître la combinaison du coffre-fort du château de Bozor. Le coffre-fort. Recherche en cours. Une occurrence trouvée. Combinaison du coffre-fort. Ce souvenir n'a pas pu être préservé. Affirmatif. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? La combinaison du coffre-fort n'est pas ici. Négatif. La combinaison est ici. Ok. Oh non, mais on ne monte pas de la bouffe comme ça. Tiens donc. Xoxo. Ah, on a trouvé. Affirmatif, voici la combinaison. Oh ça alors, la combinaison... Oh, c'est un puzzle. La combinaison a été réduite en morceaux. Affirmatif, un choc violent est survenu. La mémoire a été corrompue. Affirmatif, terminé. Ah, ce souvenir a dû se briser lorsque le Draco Express a heurté Bowser. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se souvenir de la combinaison. Y a-t-il un moyen de le restaurer? Utilisation du stylet requise. Touchez une pièce avec le stylet. La faire glisser sur le tableau avec le stylet. Ouais, jusque là, je suis d'accord. Si une pièce s'immobilise sur le tableau, c'est qu'elle est correctement placée. Touchez l'icône en bas du tableau pour faire tourner la pièce sélectionnée. Mais j'ai compris, ouais. J'ai compris. Ouais. Il est important de remettre les pièces dans le bon sens. Ah, par contre, elle est trop stylée cette voix, on dirait pas moi du tout. Si je retiens ma cam, on dirait pas que c'est moi. Telle est la procédure pour restaurer un souvenir. Avez-vous compris? Oui. Ah, Mario, Luigi! Il faut vite réparer ce souvenir brisé. Ok. Allons-y. Alors. C'est pas dans ce recoin là. C'est dans ce recoin là? Oui. Ok. Donc il faut que je trouve les morceaux. Par exemple là, c'est pas ça. Parce que de toute façon, on sait que c'est le rouge. Ok. Ensuite, le jaune, bam. Comme ça, ouais, ça marche. Ensuite, ça devrait aller. Ça devrait être par là, je pense. Le coin rouge, il est là. Enchaîné par ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, comme ça. Un peu plus loin. Ouais, trouver. Ça. Let's go.
Là, ouais. Ici, ça doit être ça. Let's go. Ensuite, ça, ça va là. Ça, ça va ici. Ça, les puzzles, je me débrouille en général, ça va. Ça devrait le faire. Non, ça, ça va là. Let's go. Ensuite, on a ça qui va là. Ça va pas là? Ah non, ça va pas là. Ça doit être un peu, ça doit être un plus loin du coup. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'est pas compliqué, c'est un beau petit puzzle. Hop. Ensuite, on a ça. Ensuite, on a ça. Ouais. Ouais. J'ai vu plus dur hein, quand même hein, comme puzzle. Hein. Ouais. 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 Et ouais. Let's go. Let's go. Oh, vous avez réussi. 9-8-9-8-8-8-2-4-1-9-8-3. Voilà la combinaison. Pourquoi je viens l'accent du sud, mais... Salut Fizost. Affirmatif. Les données ont été restaurées. C'est correct. Ah, Bowser, j'ai réussi à restaurer le souvenir de la combinaison. Ah ouais, vraiment? Allez, Chippy, donne-moi la combinaison. Ah, le souvenir brille. Quoi? Ouais, mais oui! Mais oui, c'est ça, je me souviens maintenant. 9, 8, 8, 16, 15, 5, 8, 8, 8, 2, 4, 1, 8, 8, 2, 4, 1. 9, 8, 3. Oh! Yeah! C'est gagné. Et voilà, le deuxième est à moi. Maître Bowser, il y a encore quelque chose dans le coffre. Quoi? Où ça? Non! Non, pas eux! À la une! À la... Non! Mais non, mais c'est pas possible! Non, mais qu'est-ce que vous faites? C'est moi sortir! Ouvrez ce coffre! Votre règne, c'est du passé? Nous entrons dans l'ère de Maître Gakovitz! Et chez Maître Gakovitz, il va sûrement nous récompenser, oui! Ouais! Ah, bande de vermine! Depuis quand vous bossez pour Gakovitz? Vous m'avez trahi! Ouais, tout à fait, ouais. Mais il ne reste plus qu'à sauter ce truc. On jette où? Eh, bonne question! Et pourquoi pas là-bas? Bien sûr. Bien sûr. Oh, mais bou. Ah, bah, t'es foutu là, t'es dans un coffre fort. Eh, où est-ce que vous m'emmenez? Ah, misérable, laissez-moi sortir! Aïe, 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 aïe! Y'a quelqu'un? Ah, mais visiblement, ils ont jeté le coffre quelque part. Eh, Chippy! Fais-moi devenir géant, comme ça je pourrais sortir. Ah, c'est impossible, il faudrait que tu sois plus en danger que ça. Il va falloir que tu prennes ton mal en patience. Ah, oh, bon sang. Mais dis-moi plutôt, où est-ce qu'il est le vaccin étoilé? Tu l'as toujours avec toi? Ah, ce truc! Ah, c'est à cause de lui que je me retrouve dans cet état. Il vient littéralement d'avaler le vaccin, genre. C'est pas un truc à faire, ça. Hein, mais... Regardez, Bowser a avalé quelque chose.
Ah ouais. Il vient vraiment d'avaler ça, ok. Dans les remakes 3DS, ils trahissent plusieurs fois Bowser et c'est toujours son armée après. Ah ouais? Ok. Ok, ok. Pendant que je suis là, faut que j'achète des affaires. Parce que je manque de quail. Donc achetons ça maintenant. Ah, niveau 3 moustache, mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On va prendre des ultra champis, je pense. Champi miracle, c'est pas nécessaire. On va prendre 10. On va prendre des ultra noisettes, par contre, ça je prends. J'en prends 10 aussi. On va prendre des super noisettes aussi. Et on va prendre du super, super up. Voilà. Donc là, on fait F3, parce qu'on est vraiment un gros chien. Voilà. Attendez, là on fait F2. Là, on va gratter. Oui, bah oui, mais si on va gratter une carte de réduction. Oh, merde, ça a bugué. Merde, excusez-moi, ça bug. L'émulateur galère un peu. Ah, putain, mais ça bug. Mais au secours, arrête. Pourquoi ça bug? Ah, ça bug plus bizarrement. Bizarrement, ça bug moins, ouais. Bizarrement, ça bug moins. Ouais. Ça bug un peu moins, ouais. C'est cool. Est-ce qu'on a récupéré des nouveaux trucs ici? Non. Non, mais le jeu il bug un peu, ouais. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça, hein. Bon, y a pas de musique, y a rien, c'est un enfer. Poche stomacale. La poche stomacale. Toujours aussi agréable les petits bugs d'affichage. T'es cholasse. Hé, hey, regardez. C'est un vaccin étoilé, non? Vous avez trouvé le deuxième vaccin étoilé, plein de bave. Des cholasses. Il est plein de sucre gastrique de Bowser, c'est des jutons. Noyer. Pas avec le vaccin étoilé, mais d'accord. D'accord, Redminer, ça marche. Merci Redminer pour le 9e mois de ce. Merci. Et elle est mal l'annonce là, non? Un peu basse l'annonce, je viens de m'en rendre compte maintenant, un peu tard, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas sympa pour Bowser, mais il faut qu'on sorte. Hein. On a plus rien à faire, Aisling. Il ne reste plus qu'un vaccin à trouver. Le docteur Todini a dû découvrir où se trouve la troisième sage alors qu'il est. Retourne au village des Toads. Ouais! Parce que j'ai encore le. Bah oui! J'ai encore le cache-cache avec le gamin à faire. Hop là, foire au tuyau. Toujours pas accès à ces zones-là. C'est quoi ici? Ah! Ouais, autant prendre l'autre. Hein. Allez, ça sort. Voilà. Salut gamin. Papa et maman ils font... Ah attends, excusez-moi la scène. Eh, papa et maman ils font trop les courses, c'est pas drôle. Eh Mario, je suis à cache-cache. Oui. Ouais, c'est parti. Ouah, tu m'as trouvé, bravo Mario. Eh, la prochaine fois tu me trouveras pas. Faut connecter comment ces tuyaux?